Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Hearts of Iron 3 avec donc le Japon bien sûr et toujours cette guerre en URSS bien compliquée évidemment, mais bon, j'espère que j'y arriverai. Mes alliés eux sont aussi un peu complètement à l'arrêt, j'ai l'impression, donc c'est pas super rassurant, mais bon, on va voir ce que ça va donner avec le temps. Là, je pense que je vais être obligé de me replier ou alors. Ouais, peut-être pas, non. Je me dis que ça va peut-être tenir. Si ça tient, c'est à un fil, hein. Ouais, c'est bon, j'ai gagné. Mais bon, pas l'idéal, hein. Je vais plutôt faire basculer celle-là. En espérant qu'il m'attaque pas trop entre-temps. Donc là, il commence à ramener des troupes. Il avait un peu laissé tomber cet endroit-là, mais je crois que c'est fini. Là, il s'est rendu compte que ça n'allait pas bien se passer. L'avantage, c'est qu'il m'a permis de passer la rivière. Et du coup, moi, ça va me permettre d'attaquer. Et ça va l'obliger à ramener pas mal de troupes pour se défendre. Donc, c'est toujours bénéfique pour moi. Alors, combien d'heures? Ah, c'est bon. Donc là, je vais débarquer à côté. Et je pourrais attaquer sur un autre front. Et merde, ça c'est où? Ouais, là je vais pas tenir, hein. Si, ouais, peut-être que si. Ce que je pourrais faire, c'est attaquer. Ouais, je peux plus attaquer grand-chose en fait. On va voir. Je vais changer mon bombardement. Si je peux. Je vais bombarder ici. Il n'y a pas beaucoup d'unités en face de nous, hein, mais c'est pas pour ça que j'y arrive plus que ça. Alors, blindage de cuirassé, ça c'est bon. Ah là, il attaque, ils sont nombreux, hein. Je crois que je vais encore être obligé de me replier. Je pourrais laisser celle-là là. Là, je vais me replier ici. Là, je vais me replier ici. Les QG, je vais les mettre derrière pour que ce soit un peu plus lisible. Redéploiement stratégique. Donc là, par contre, il va pas résister très longtemps. Ok, je suis arrivé là. Ouais, je suis arrivé. Donc je vais attaquer sur un nouveau front. Je pense que ça va largement contribuer à notre victoire. Alors là, j'en suis où? 40, 40, 42. Ah, fallait que je lance des nouvelles sciences. J'avais complètement oublié ça. J'ai dû perdre quelques points là. Ouais, surtout que là, je peux y aller. J'ai tous les officiers qu'il faut. J'ai même un peu trop d'espions. Ok. Alors, on est en avril 42, donc je peux me lancer là-dessus. Ça c'est bon. Là j'ai oublié de faire l'artillerie. Là tout est bon. Là tout est bon. Là tout est bon. Franchement je suis pas mal. Je vais quand même faire les canons lourds pour les quelques. J'en ai quelques-uns, je pense. Radar. L'agriculture. Là c'est pour les pertes humaines. Ah, j'ai pas fait toute la théorie, ceci dit. C'est des sciences très rapides, hein, qui. Enfin, sauf celle-là. Les sciences du ravitaillement sont un peu plus lentes. Mais toutes les sciences théoriques, là, sont très rapides parce qu'elles ont seulement un en niveau de difficulté. Alors, tout ça aussi. On n'est qu'en avril, hein. À mon avis, j'ai de quoi finir tout avant la fin de l'année. Donc, ça, c'est plutôt bien. Front étendu, oui, je fais aussi. Voilà, comme ça je me retrouve avec 60 projets. Là je suis à jour. Et là je suis en train de me mettre à jour doucement mais sûrement. Mais bon, je pourrais me lancer tout de toute façon. Par contre, ceux-là je crois que j'aurais pas la possibilité de les finir avant la fin de l'année quand même. Parce que je vais avoir 90 projets, 80, 79. Ouais. Donc là ça fait beaucoup. Bon. Là je vais ouvrir un nouveau front.
Je sais pas s'il va vraiment ramener des troupes pour se défendre ici, parce que c'est quand même très très loin, je trouve. Mais s'il le fait, c'est tout bénef pour moi, évidemment. Donc là, ça passe. Et je commence à manquer de ravitaillement, donc faut que j'arrête de ramener des troupes par là. Il faudrait même que j'en prenne quelques-unes. Les Marines, je crois que je vais les mettre ici, et puis je vais essayer de passer à l'attaque un peu. Ok. Alors là, je commence à avoir le même problème de ravitaillement. Et Sébastopol, je peux pas l'améliorer, c'est de loin mon meilleur port. Il est niveau 10 déjà. Donc il n'y aura pas d'amélioration possible, ça c'est clair. Alors. Bon, ça c'est normal. Je vais peut-être essayer d'attaquer ici, mais j'y crois pas trop. Bon, là je vais me débarrasser de lui enfin. Là j'ai sauvé ma province, mon unité, pardon. Là, je vais essayer de me débarrasser de tout ça là. Est-ce que je pourrais même attaquer ici, là en soutien? Il y a des chances que ça passe. Pareil ici, là en soutien. On verra si ça passe ou pas. Là je vais aller là. Là, je vais continuer à attaquer. Là, j'ai un peu trop d'unités. Je pense que je vais avoir des problèmes de ravitaillement. Justement, ça donne quoi là? Ouais, je pense que je suis un peu supérieur. Ça a l'air de plutôt bien passer. Ah non, non, c'est l'inverse, pardon. Ah bah, c'est parce qu'il contre-attaque là. Merde, je suis obligé d'arrêter. Parce que la contre-attaque a l'air un peu violente. Là, ça le fait pas non plus. Je vais arrêter. Du coup, là, l'attaque est vouée à l'échec. Là, j'ai pas de chiffres. Je sais pas pourquoi. Ah, il m'attaque plus. C'est tout simple. Là, je vais fuir. Pourquoi je peux pas fuir ici? Et merde, pourquoi je pouvais pas fuir là-bas, quoi? Putain, ça me saoule. Je comprends pas. Bon, faut que j'aille ici en redéploiement stratégique. J'y crois pas trop. Je crois que mon unité est morte là, par contre. Alors, les porte-avions. 44, 44, 44, 42, ça c'est bon. Ok, là c'est fait. Donc on va attaquer. Je vais ramener. Ouais, je crois que je vais ramener mon QG. Alors, on va attendre qu'il sorte. On va se battre. Oh, j'ai encore coulé le fleuron de leur flotte. Et là, du coup, je crois qu'il a perdu tous ses navires. Pourquoi je peux pas aller là? On est où là? Eh merde, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, c'est incompréhensible ce qui se passe. Normalement, j'étais en fuite. Donc, quand une unité en fuite se retrouve à fuir sur une province occupée, normalement, elle est détruite. Et là, je peux pas aller ici. C'est quoi ce bug? Mais là, je suis en train de me faire attaquer, sauf que on sait pas par qui. Et je peux pas fuir ici. Donc en fait, je sais pas ce qui se passe. Ah voilà. Et là, je peux pas fuir.
Alors que la province, là, je sais pas ce qu'elle a de particulière, elle a l'air tout à fait normale, entre guillemets. Donc du coup, je sais pas ce qui va advenir de cette unité. À mon avis, elle est morte, hein. Mais ça, c'est un bug, hein. Pourquoi je peux pas fuir sur cette province alors qu'il y a la frontière qui est là? Je peux y aller dans ce sens-là, mais pas dans l'autre. Ça me saoule, ces bugs de merde. Et peut rien. Je peux fuir dans ce sens-là, d'accord. C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Laisse tomber, faut pas que j'y pense, ça va me saouler. Alors, ça c'est bon. Ok. Alors, ici, ça donne quoi le redéploiement? Ça donne que j'ai vraiment des gros problèmes de ravitaillement. Je vais aller chercher les Marines qui sont là. Eux, ils vont se remettre là. Redéploiement stratégique. Et là, ça va pas le faire, hein. J'ai trop d'unités sans ravitaillement. Là, je crois que je vais m'arrêter là, du coup. Moteur de porte-avions, ok. Alors, bah, je crois que je vais encore être obligé de prendre des unités. Ah, là, il faut que je fasse un ravitaillement sur Batumi. Convoi de ravitaillement, ça c'est beau. Batumi. Ok. Ça va m'obliger à détruire quelques convois de ressources pour libérer un peu de place. Ça, je dis non. Donc là, ça remonte un peu l'organisation, c'est pas trop tôt. Là, je vais embarquer. Et je vais aller ici. Et là, je crois qu'il va pas vouloir y aller. C'est toujours le même problème, c'est pareil. Oula, j'ai coulé tous les ports, tous les sous-marins russes. Là, il y a toujours ce même problème, c'est qu'on peut pas aller ici. C'est incompréhensible, c'est pareil, c'est un petit problème de la carte. Et par contre, je crois que je peux, à la rigueur, je crois que je peux aller là. Non, même pas. On peut aller que là. En fait, alors que le port, il est bel et bien là. En fait, il est dans les terres, le port. Donc, très étrange. Bon, enfin bon. C'est pas grave. Faudra faire avec. Donc là, il n'y a plus personne devant moi, mais je sais pas si je peux y aller. Je vais envoyer deux unités. Donc voilà ce qu'il y a en face de moi à Tarangog. Je pense que ça fait un peu beaucoup. Je vais attendre la sauvegarde. Ouais, ça me paraît difficile à surmonter. Le Liberia. Alors là, ça continue à avancer. Là aussi, il n'y a pas de souci. Là, je vais avoir récupéré deux unités. Je vais tout de suite embarquer. Et c'est parti pour ici. Et on va pouvoir reprendre la conquête. Et là, je pense qu'en fait, ils vont avoir regagné leur organisation. Ouais. Est-ce que je continue là? Oui, peut-être. Pourquoi pas? Mais là, c'est une catastrophe, là, en fait, parce que je vais me retrouver avec le même problème que de l'autre côté. Ah, bordel, on va pas y arriver. Ah, là, je peux y aller, par contre.
va se répartir. C'est où ça? Ah, là, faut que je m'en aille, c'est ça? Ah putain, ouais. J'avais pas vu, mais... Je crois que je vais arrêter de... Enfin, je vais pas rester ici très longtemps. Hein. J'avais pas fait gaffe à ça, du coup, ils m'ont pris... Je sais pas si je resterai ici. Je crois que je vais venir les chercher avec mes navires assez rapidement. Là j'ai gagné. Ah, j'ai fini par prendre le port là. Donc ça c'est bien, ça a chassé. Je crois qu'ils ont plus un seul port. Me semble. Donc je vais quand même essayer d'avancer, mais je pense que ça va être compliqué. Ah merde, là ils sont déjà là. Ils sont arrivés assez rapidement. J'ai pas regardé, c'est quoi là? J'ai pas vu. Équipage bombardier lourd, oui, donc ça, je continue, j'ai du retard. Là, je suis à 100 d'amélioration, c'est impossible quoi. J'en ai pour une plombe. Donc là, je sens ça pas bien. Non, je sais pas bien du tout. Donc je vais arrêter. Et je vais. Du coup, je sais pas comment faire. Je ne sais pas trop comment faire. Parce que là, on est un peu surchargé, donc il faut que j'arrête d'en mettre là. Le problème, c'est que là, ah si, les Russes avancent, les Allemands avancent un peu quand même. Ça me rassure. Je ne sais plus comment faire pour aller aider Rostov-Danadon là. Bon, je me dis que je peux rajouter les unités d'infanterie de marine. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non, mais pourquoi ils passent par le bateau, là? Ça n'a aucun sens. Voilà, comme ça. Là, je vais déposer mes unités d'infanterie de marine. Normalement, je devrais pouvoir approvisionner ça sans trop de gros problèmes. Mon corps, je sais pas où il est là. Ok. Et par contre, est-ce que je vais pas être obligé d'enlever des unités d'infanterie ici? Eh merde. Sérieux, une révolte. Bon, là, ça devrait gérer. En fait, je crois qu'ils sont tous au même endroit. Ouais. Ouais, c'est bon, ils sont tous ici. Donc, je vais attendre que ce soit fini. Je devrais quand même peut-être ramener une unité de cavalerie ici. Parce que... Ça va être un peu long de leur courir après, en fait. Donc là, je devrais tenir. Alors... Ça, je sais pas où c'est. Ouais, ça, c'est normal. Ça, d'accord. Là, j'aurais fini par gagner ma bataille. C'est plutôt une bonne nouvelle. Là. Je devrais la gagner aussi. Ok, là, j'ai gagné. Ce que je vais faire, c'est que l'unité là, il y en a une qui se déplace, c'est ça, ouais, et l'autre elle va attaquer ici. Plutôt on se soutient. Et merde, encore une révolte, sérieux. Enfin, pas une révolte, une milice, je sais pas comment dire ça. En tout cas, c'est très très chiant. Alors, je suis peut-être obligé de ramener des renforts ici. Ce qu'il y a, c'est que des renforts, j'en ai pas trop. Donc là, on est en train d'arriver. Ok, sans plus tarder, je vais me lancer ici. Bon, là, je devrais tenir. Là, je suis mort.
Ah non, il a pris la province. Alors ça, c'est exceptionnel. Je sais pas comment elle arrive à s'en sortir, cette unité. Là, je vais aller là plutôt. Là, je vais arrêter. Elle arrive encore à s'en sortir par miracle. Alors là, ça se passe comment? Peut-être quelques chances de passer. Je vais rester. Tout ça, c'est des sciences en retard. Et quand même, je comprends pas que l'amélioration, ça prenne autant de temps. Ceci dit, ça a un peu descendu. J'étais à plus de 100. Me voilà à 95. Là, je devrais pouvoir attaquer quand même. Peut-être pas encore. Ah si, je pense que je peux attaquer deux fronts comme ça et avec une unité ici. Comme ça, j'attaque sur deux fronts. Je peux même attaquer sur un troisième front ici. Voilà, là ça devrait passer. Alors, il y a beaucoup de batailles, hein, mais... Là, mes unités de marine s'arrivent. Voilà, elles sont là. Ok. Oh non, sérieux. Oh là là, tout ce qu'il y a. Oh là là. Ça, c'est le genre de truc qui me donne envie d'arrêter tout de suite de jouer. Je sais pas combien il y en a, mais j'ai réussi à remplir mon écran. Alors, on va faire ça au fur et à mesure. Alors, ce que je vais faire, comme c'est toujours en double, je vais enlever tout ce qui est en double. Voilà. Ça. Igabou, je le vois là. Ça c'est bon. Jalapur, est-ce que c'est en double? Ouais, là. Je crois que je suis pas mal là. Kawar, c'est en double. Ok, donc c'est toujours impressionnant parce que tout est en double, mais il y a quand même 8 provinces qui se sont rebellées d'un coup. Ah, plus que ça même. 9. Non, 8, parce que celle-là est en double. Alors, ah, peut-être plus que ça, parce que, bon, je sais plus, mais enfin, en tout cas, il y en a beaucoup trop à mon goût. Alors, on est où? En Inde, bon. En Inde, normalement, j'ai ce qu'il faut, même si là, ils sont quand même très nombreux. Je vais aller intervenir le plus vite possible. Donc ça, j'ai vu. Ça, j'ai ce qu'il faut. J'en ai qu'un malheureusement. Non, j'en ai deux. Je vais venir avec les deux tout de suite avant que ça prenne des proportions ingérables. Ça c'est bon. Ah, oh, ça c'est... Non, je suis obligé d'envoyer cette cavalerie-là. Ok, ça je vais plutôt l'envoyer là. Je sens que cette révolte va prendre des proportions assez énormes. Parce que les temps de trajet sont très très longs en fait. Donc le temps que j'arrive, ils auront eu bien le temps de se développer. Là je pense que c'est un échec. Ouais, vaut mieux que j'arrête. Là, je vais essayer d'attaquer à travers la rivière, j'y crois pas trop. Non, je crois que c'est pas la peine d'essayer, en l'occurrence. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est ramener ça ici. Et là, c'est eux qui attaquent. Oui, c'est eux qui attaquent. C'est assez rare pour être noté. Et celle-là, elle est épuisée. Là, j'ai pris un aéroport de plus, donc faire une base aérienne, ça c'est plutôt bien. Ça va sans doute les empêcher de me harceler. Enfin, non, il n'y avait pas trop de navires non plus. D'avions. On n'en croisait pas trop, très honnêtement. Allez, c'est parti. Je vais voir ce qu'il y a en termes de navires. Comme d'habitude. Il n'y a pas de. Attaque au sol. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. D'habitude, il est toujours réglé sur frappe de port, mais là, il était réglé sur attaque au sol, donc...
Ok, il n'y a personne. Donc là, il n'a pas laissé d'unité, j'ai l'impression. Ça va être d'autant plus rapide. Ok, donc là, on va se défendre comme ça. Le problème étant, c'est qu'on a trop de... On a trop d'unités sur place, quoi. Je sais pas comment je vais faire. Bon, là, ça m'a l'air plutôt bien parti. Ouais, je pense que là, on va réussir à prendre notre position. Je vais attendre la sauvegarde et je vais arrêter la vidéo parce que ça fait deux sauvegardes que j'ai là et j'ai l'impression que... Je vais relancer le jeu, je pense. Alors, Chili, non. Salvador. Australie, oui. J'ai l'air de pas trop me faire attaquer par l'Australie. Afrique du Sud, oui. Enfin, sur mes routes australiennes, j'ai l'air de pas trop être attaqué. Toujours 92, quoi. C'est effarant, les réparations, la modernisation que j'ai à faire. C'est assez impressionnant. Bon. Mais là, je suis de nouveau en manque de ravitaillement. C'est où là? Bon, là, je vais tenir, je pense. Et merde, encore. Ça, c'est gagné. Ah, là, faut que je vienne aider parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vais jamais y arriver avec de la pauvre... Des pauvres... Comment ça s'appelle? Je vais venir avec ça. De la garnison, pardon, j'ai du mal. Redéploiement. Bon, là, je pense que contre des blindés, ça devrait le faire. Je vais ramener cette unité-là. Ok, ça a l'air d'être gagné. Là, je devrais pouvoir tenir. Ouais, il perd très rapidement. Ça fait plaisir pour une fois. Alors ça, c'est quoi? Ouais, alors ça, j'ai du mal. Hein. Il reste cette bataille-là, donc, qui est plutôt bien engagée, on va dire. Ouais, là, faut que j'attaque. Hein. Faut que je passe de l'autre côté de la rivière, parce que... Sinon, je pourrais jamais attaquer. Ouais, ça m'a l'air plutôt bien engagé. Là, c'est pas terrible, question ravitaillement. Hein. Je vais quand même essayer de progresser un peu, mais... C'est quoi cette bataille, là? Ah oui, là, il est en train de m'avoir. Je vais l'attaquer dans le dos. J'ai pas assez de troupes ici. Hein. Alors là, je pense que je peux attaquer, puisque c'est lui qui m'a attaqué tout à l'heure, il avait quasiment plus rien. Il faudrait vraiment que je ramène des troupes, là. Là, ça va être compliqué. Faut pas que je le laisse avoir le port, parce que s'il prend le port, il va ramener des navires. Là, il a une pénalité de combat multiple. Ah, malgré ça, il perd pas beaucoup, je trouve. Ok, là, c'est gagné. Là, faut vraiment que je ramène des troupes. Hein, ici. J'en ai plus assez sur place. Alors, mili, c'est fait. Je vais me redéployer ici. J'ai dit qu'il fallait que j'arrête la vidéo, sérieux. Putain, j'arrête tout de suite, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.